Ensuite, nous allons passer au site TBDress. Donc la livraison est gratuite à partir de 89$. Alors déjà, ce que j'ai à dire sur ce site, donc j'ai pris un maillot et deux choses. Enfin non, deux maillots j'ai pris. Oui, j'ai pris deux maillots. Je vais commencer par celui que j'adore, qui va être, je pense, mon maillot d'été. Donc, pour vous, je me suis mis, vous allez me voir un peu mon corps dénudé, on va dire, et j'étais très très mal à l'aise. Je sais même pas si au montage je vais pouvoir le mettre. Enfin, je pense qu'on verra, on verra, parce que je suis assez complexée. Mais voilà, je me suis dit, allez, vas-y, de toute façon, tu comptes le mettre à la plage. Donc, c'est une culotte taille haute, en fait, avec des lacets sur le côté. Et j'aime beaucoup parce que voilà, moi j'ai pris, là j'ai pris du M, mais on peut vraiment régler, on peut agrandir, on peut faire des petits trous. Enfin, j'aime beaucoup ce style avec le bandeau, pareil, lacet. Et j'aime beaucoup. Je cherche vraiment en priorité des maillots une pièce parce que pour celles qui le savent, je suis très complexée par mon ventre depuis que j'ai eu ma fille. En fait, mon ventre a éclaté, a énormément grossi et je devrais faire des abdos mais je n'en fais pas. Et voilà, donc en priorité, voilà, c'est les maillots une pièce. Mais celui-là, voilà, il est taille haute, hein, il me cache, on voit, enfin, il faudrait un peu plus haut mais bon, c'est pas grave, je me dis mince quoi. J'aime beaucoup, je suis fan, je suis trop contente de l'avoir. Ce maillot coûte 6,65€ en plus et je vous jure que la qualité est top. Ensuite j'ai pris un maillot de bain qui est magnifique, regardez-moi ça, une pièce. Mais quel dommage, hein. Ça c'est coque, hein. Dur, hein. Push-up, c'est affreux, ça va pas du tout. Ça fait à la Madonna quoi. Je vous jure que je l'ai mis, tu sais, les trucs pointus, non c'est affreux, 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 affreux. Vraiment après peut-être si on a une plus grosse poitrine, j'avais lu, en fait j'ai pris du S parce que j'avais lu en commentaire que ça taillait grand. Donc je me suis dit, prendre du S et pour le bas, eh bien, tant pis, on verra. Mais sur les fesses, trop 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 petit et le haut un petit peu grand et vous allez voir, ouais voilà, ça va pas du tout. Ça prend pas du tout la forme, si seulement c'était un peu plus mou, quel dommage parce que je vous jure que franchement il est beau, il est vraiment beau. Et il coûte 14,96€, mais voilà, je ne pense pas que je pourrais le mettre. C'est dommage, vraiment. Et après, là, nous allons commencer à aller vers la catastrophe. J'ai pris une robe, en fait, qui sur le site avait l'air magnifique, n'est-ce pas? Qui, en fait, s'attache comme si on avait une veste de manche, enfin, vous allez voir. C'est la texture maillot, c'est la texture, je crois qu'on dit jersey, je sais pas, mais... Pff. Faut arrêter avec cette texture, quoi, c'est affreux. C'est affreux, voilà, ça moule beaucoup. Je suis vraiment dégoûtée de cette robe, enfin de la matière, quoi. Voilà, la matière, ça va pas du tout. Elle coûte 11,29€, bon, elle est vraiment pas chère. Et là, le pire du pire, je crois, ouais, c'est le pire truc que j'ai reçu de ma vie. C'était une magnifique en photo, oh, rien que la couleur, là, mon dieu. En photo, ça avait l'air d'être une combi... vachement classe quoi, pâte def, alors que pourtant j'ai jamais eu de truc pâte def. Là je me suis dit, allez, bah, franchement ça fait super classe. J'ai reçu ce machin, mais comment vous dire que c'est un déguisement disco. Franchement j'aurais une perruque et tout, ça aurait été trop drôle quoi. Déguisement disco, ouais je dis oui à fond, mais alors non, ça c'est pas possible. Et en plus ça coûte, je crois que ça coûte assez cher, 26,06€, non mais c'est pas possible.